Salut mec, c'est Mani aujourd'hui pour l'accessibilité mécanique du Super Rockray. Nous allons profiter de la casse de la machine pour l'ouvrir, changer le cerveau, la direction et faire évidemment un réglage correct de la direction, non pas comme elle est réglée sortie d'usine. On a une biellette de cerveau qui n'est pas réglable, le cerveau a des très grandes dents, donc il est soit 3 mm à gauche, soit 3 mm à droite. Résultat, si t'as pas le trim à fond d'un côté ou de l'autre, ça donne rien. Les biellettes ici n'ont pas de pas inversé. On peut les régler, mais juste par desserrage de la biellette. Et comme c'est réglé d'usine, c'est pareil. On a une ouverture comme ça devant, c'est n'importe quoi. Les LED, par contre, on peut pas dire qu'elles sont pas solides. Ça, c'est clair, elles ont encaissé. Niveau de l'accessibilité mécanique, ça va faire mal. Il y en a beaucoup qui refusent d'admettre le truc, mais ça fait des énormes, énormes progrès ces dernières années dans l'accessibilité mécanique. Le UDR est un modèle, malgré que ce soit un engin Luxcal, on accède rapidement quand même à tout, que vous le voyez ou non. Et vous allez voir que là-dessus, c'est pas du tout le cas. Pour atteindre le diff avant, sur le UDR, suffit d'enlever la carreau, de séparer les amortisseurs en haut de la tourelle, de séparer les triangles supérieurs du fait. Tu atteins les noix, tu peux sortir les noix, t'as 4 vis au-dessus. Ah, ça c'est la poste. Désolé, la priorité, c'est mes cadeaux. Me revoilà, on est sur nous. Le diff avant. Pour sortir le diff avant, comme dit sur l'UDR, il faut à peu près une dizaine de minutes. Là-dessus, faut séparer le train avant. Donc il faut aussi enlever la carreau. Après, on a quelques vis par le dessous. Et on ne peut pas par la suite. On verra ça si on peut juste séparer la platine super métallique, la lever pour sortir le diff. Sinon, faut l'enlever jusque derrière. C'est ce que nous allons voir pour atteindre le cerveau de direction séparé sur l'UDR. Vous enlevez toute la plaque qui est en dessous. Vous avez le cerveau, vous enlevez la carreau. Vous pouvez débrancher le cerveau et sortir de là. Pareil, 5 minutes, c'est réglé. Là, faut enlever la carreau. On a les vis qui sont accessibles par en haut. Par contre, ça va être le schmilblick pour enlever la corne de cerveau. Alors je ne vais pas le démonter comme si je le démontais pleinement, je vais démonter effectivement comme si on intervenait sur le terrain. Le pont arrière, là c'est facile, c'est pas un problème. Je ne vais pas exprès vous faire la démo de démontage du pont. Bras de pont supérieur, CVD, bras de pont inférieur, vous avez le pont en main. Ensuite, vous pouvez le séparer tout simplement ici. Vous enlevez les deux extrémités, tout comme sur le UDR, pour pouvoir sortir les cardans. Une fois que vous avez sorti les cardans, vous enlevez ces 4 vis là, ou un peu plus, là il y en a encore quelques-unes sur le côté, pour pouvoir atteindre le diff arrière. Là, tout va bien. Moteur, vous avez vu, c'est pas en dessous. Ça, c'est bien fait pour pouvoir sortir le moulin. La démultiplication est pas mal. Le moteur se comporte bien aussi. J'ai bien apprécié vraiment le rapport poids-puissance-consommation de cette machine. C'est pas trop mal, évidemment. Il consomme un peu plus que le X-Max, le moteur étant un peu plus gros. Il n'y a pas de miracle. Niveau perf, on est à peu près équivalent. Moi, perso, j'aimerais encore peut-être une dent ou deux en moins, à la limite, pour être un petit peu plus souple à bas régime. Mais ça va très bien, vous l'avez vu, il n'y a pas de octage ni rien. À voir donc si on passe dans la caillasse et voir si je peux aller me promener un peu au bord du fleuve, trouver un endroit bien rocailleux pour utiliser cet engin encore un peu différemment. Alors. T'enlèves la carreau, t'enlèves 4 vis sur le côté, tu tires délicatement ça puisque ce câble va directement au vario pour la lumière. Tu mets ça en avant. Là, il y a 4 vis sur le côté pour enlever la cabine de pilotage. Très lourde, les têtes du pilote sont extrêmement lourdes, ça c'est marrant. C'est toujours quelque chose qui continue à faire en ABS, ces têtes de pilote pour être en polyester, ça revient dans le même. À l'intérieur après. T'as de la place, t'as un bac lipo absolument énorme, génial, 8S 8000 rentre sans le moindre problème là-dedans, j'adore ça. Les prises de C5 qui sont fixées ici, tranquille aussi. Ce que je n'aime pas toujours, les riselants qui tiennent les câbles, on blesse les câbles, on plie les câbles, on peut risquer plein de dégâts à l'intérieur du câblage, c'est vraiment pas top ce genre de choses. Voilà. Et donc là, ça, le mode de l'OSI. Comme les récepteurs Spectrum sont étanches, c'est de laisser le récepteur juste là, planté là. C'est pas top. Pourquoi? Parce que
il y a quand même 5 volts ou 7, 8, 4 selon ce que tu as programmé sur ton bec externe sur le récepteur et sur les plots. Ce qui fait que quand ça prend la flotte, s'il y a de l'eau qui stagne dedans, puisque c'est étanche, le boîtier par contre peut se remplir d'eau. C'est pas le boîtier qui est étanche, l'eau peut rentrer au niveau des prises. Tu auras quand même un problème de défaut et d'oxydation des plots à ce niveau-là. Donc moi, je vais démonter ce récepteur et je vais le mettre dans un boîtier fermé et étanche. Parce qu'en plus, c'est beaucoup plus compliqué de nettoyer un récepteur une fois qu'il s'est rempli de terre. Vario, donc Obiming Max 6, bridé toujours à 5 fonctions. Par contre, là, c'est le vrai 8S, pas bridé à 5 comme sur la l'Ozier 8. Niveau nettoyage, là, on a fait un nettoyage externe. Évidemment, et ben à l'intérieur, tu es coincé, tout reste dedans. Donc tes vis rouillent rapidement, etc. Même si les vis, l'osier rouille moins vite que les Traxxas, on a quand même déjà de la rouille dessus ici au niveau des filets de vitre. Par contre, pas sur les vis principales, ça se passe bien. Nous allons donc maintenant démonter l'avant et voir si on peut atteindre ce servo sans être obligé de sortir la cage. Ça devrait être faisable en sortant le moteur par le dessous. Débrancher. On va sortir le moteur, ça vous avez déjà vu puisque je l'ai pondu la dernière fois. Sur la plaque, tu sors le moule. Donc, moteur X-Team. La nouvelle mode, comme dit des moteurs, d'avoir des aimants plus faibles pour permettre des montées en régime rapide et une moindre consommation malgré la taille. Ce moteur 750 kW en 56 par 82, j'adore. Vivement qu'il soit sur le marché, qu'on puisse les choper à part pour pouvoir. J'ai bien envie de monter ça dans le X-Max, honnêtement. Pour avoir un peu plus de punch sans avoir une consommation extrêmement plus grande que le moteur d'origine. Ici, nous avons accès au diff central et à la cascade de pignons qui est tellement bruyante. C'est celle-ci qui fait un raffut d'enfer. Il y a un tout petit peu de gras dessus, mais pas plus, puisque cette pièce n'est pas étanche. Il y a donc facilement de la terre et de la saleté qui se met là-dedans et qui remplit les rainures. Qui peut poser un problème d'usure si tu fourres ça de graisse. De notre côté, là on a déjà roulé quelques fois, mais on a toujours encore ce comportement très bruyant. Je vais donc quand même me pencher sur mettre du gras là-dedans. C'est pas la peine d'essayer de s'amuser à mettre du silicone partout pour étanchéifier le truc. Voilà. Il n'y a quand même pas grand-chose qui est rentré. Et j'ai fort espoir qu'au bout d'un certain moment, ce bruit parte de lui-même une fois que les pignons et tout ça, ce sera bien fait. Alors, attendons-nous, par exemple, sur le terrain, tu as cassé un triangle de suspension et tu veux changer uniquement ton triangle de suspension. Ici, une petite vis pour enlever en bas, c'est clair. Là, pour enlever cette partie, on va devoir séparer le pare-choc avant. Et nous allons voir avec quoi il est fixé. Il est relié directement à la cage par le côté avec deux petites vis. Choc avant aussi qui n'a pas tenu le choc. Assez dommage. C'est censé quand même tenir un peu plus que ça. Faut en espérer qu'il tienne un peu plus que ça. Des petites vis M3 ici dans le pare-choc devant, ça c'est clair, aucune chance. C'est tordu. Après, évidemment, le bloc de béton aussi. C'est quand même quelque chose d'un peu résistant. Alors là, il est carrément. Voilà. Il y a deux trous sur l'avant du pare-choc. Là, pour atteindre des autres petites vis M3. Le pare-choc n'est maintenu que donc par quatre petites vis M3. Ça me paraît vraiment très léger, même au niveau du matériau, ce pare-choc. Je vais donc évidemment me pencher sur ajouter un skid et. Quelque chose de chez RPM pour mettre là-dessous.
Alors, est-ce que tu veux bien sortir ou pas? Et c'est pas tout. Il est relié avec la fixation de la cellule. Je trouve cette partie du châssis avant très très faible. Il y avait largement la place ici de partir plus large et de couvrir cette partie avec l'alu. C'est dommage. Voilà, pare-choc avant. Qui est toujours relié, donc branché quelque part ici encore. Alors, ils n'ont pas fait de connecteur devant. Il faut aller jusque sur le récepteur pour débrancher la LED. C'est vrai que ça évite les faux contacts d'un autre côté. Ça aurait été plus simple pour pouvoir y accéder avant. Donc un pare-choc vraiment très faible. Déjà HS. Après, je le répète, hein, bloc de béton. Voilà. Y a pas grand chose d'autre qui aurait survécu à ça, je pense non plus. Là, on atteint des petits rikiki ridicules circlips. Je découvre avec vous, je ne vais pas aller m'amuser à voir la notice. Quelque part, j'ai ma pointe à tracer. Voilà. Alors, tu as des petits circlips de rien ici qui tiennent ça. Ah, c'est nul. Bravo. En plus, ce n'est pas des circlips en E. Ce sont des simples clips en C. Parce que les clips en E ont au moins l'avantage qu'on peut glisser quelque chose de pointu entre pour le sortir. Là, ça, c'est le genre de truc sur le terrain. Tu perds vite patience. L'idéal, c'est de pousser avec deux tournevis. On va voir s'ils ne sont pas trop costauds, si je peux le tenir là. Voilà. Alors ça, sur un engin de cette taille, bof, bof, bof. Ce compte-là, on aurait préféré une vis. Hein, un simple petit trou à côté, un filetage M3, et une vis qui maintient l'axe, comme c'est le cas sur beaucoup d'autres véhicules. Que ces deux mini trucs là. Évidemment, on va séparer les amorteaux. Alors ce qui est bien là, c'est qu'on a l'écrou qui est prisonnier, le lift stop. On a une petite plaque ici qui sert de renfort et pour empêcher la saleté tout ça d'entrer. Ça, c'est la pièce qui va frotter sur le cardon, donc elle aurait dû être un peu plus courte, pas très grave. Et le triangle qui a donc éclaté, il faisait pas spécialement froid. Le matériau est quand même assez. Le triangle est vraiment rigide, ça manque de flexibilité. L'engin est lourd, de toute évidence, après, faute du pilote, hein. On va pas dire l'inverse. C'est quand même moi qui suis rentré dans l'arbre, c'est moi qui n'ai pas vu le bloc de béton. On aurait dû faire le tour du terrain rapidement, regarder sous les feuilles, avant d'aller rouler. Mais c'est pas le cas. Alors là, on a bien pas inversé sur le triangle supérieur. Mais le triangle supérieur est vraiment très 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 faible. On n'a que ces deux pauvres attaches ici qui tiennent. J'ai hâte que... peut-être pas forcément RPM. RPM m'a beaucoup déçu ces derniers temps niveau solidité sur les pièces. Pour les gros engins, ils ont vraiment un problème. Les Proline, ils ont disjoncté. Pour eux, ils ont fait des pièces options pour le X-Max. Pour eux, le X-Max, c'est un cinquième. Donc on aligne les pièces sur le prix des 1/5. Alors que chez Traxxas, pour entretenir le X-Max, on a un budget de 1/8. Après, on a deux vis en haut pour la tourelle, que je suis content de ne pas avoir décapité.
ne tient pas sur grand chose. Après, ce sont un petit amas de tubes, ça peut être bien. Tu es obligé d'enlever la tourelle puisque il y a devant une barre en U qui relie les deux triangles supérieurs. Tourelle qui ne tient que à 4 vis, à 4 points d'ancrage. Voilà. Seule chose qui peut la sauver, c'est donc sa flexibilité pour ne pas l'arracher sur les gros chocs. Petit bout de pare-choc qui est pris en sandwich ici, qui a éclaté. Là, tu peux enlever donc le U supérieur qui te permet de séparer tes triangles. Là, par contre, ils ont mis ce qu'il faut. Hein. Là, on a du 5 mm. Donc c'est marrant d'avoir mis une ferraille aussi grosse et en bas d'avoir mis, d'avoir mis sur une ferraille aussi grosse un triangle aussi faible. Et là, du coup, tu atteins aussi ton triangle inférieur. Tu enlèves donc ici l'axe. La question est, est-ce qu'il y a un clip derrière ou est-ce qu'il sort par devant? Donc celui-là, il est tordu. Qui nous ont mis du fer blanc. Donc au niveau de la qualité ici aussi, un petit manque. Après, on ne peut pas tout avoir. Ils ont fait quand même l'engin à un budget relativement restreint. Même si perso, du coup, quand on arrive à un budget pareil, j'aurais préféré avoir plus de matériel dessus et... ouais, pourquoi pas aligner au budget du X-Max, hein, je veux dire, après, il faut ce qu'il faut quand même. En un 5e, par exemple, on a un budget de 1500-2000 euros si on veut une bonne machine. En un 6, un 7, il faut compter 1000 à 1005, c'est comme ça, voilà. L'axe qui a quand même méchamment plié. M4, ça, je vais le mettre sur l'étau, je vais le mettre à coup de marteau, il va être droit. Pourquoi avoir mis aussi un circlips au bout? Il est maintenu par le pare-choc, donc de toute façon, si, alors le circlips est là pour éviter à l'axe de reculer, puisqu'il n'y a pas d'arrêt à l'arrière ici. C'est donc ici à l'arrière qu'il faudrait faire le petit M3. C'est ce que nous allons très probablement faire quand je vais démonter ici, puisque, regardez, nous découvrons ensemble, la cellule avant a craqué aussi. Ha ! Alors moi j'ai commandé tout, sauf évidemment la cellule avant. Puisqu'on pensait quand même pas que ce soit à ce point-là. Donc moi, j'enlèverai la plaque, je mettrai un petit trou, un petit filetage en M3, une petite vis à l'arrière, et je mettrai l'axe sans ce satané circlips, et on fera la même chose devant, comme ça, il est bloqué dedans, on n'en parle plus, et je mettrai évidemment aussi des axes plus solides. Ensuite, on va enlever cette pièce qui tient les bras supérieurs, qui, elle, a encaissé le coup. Pas de dégâts à ce niveau-là. Alors, je vais remplir les pièces dans une caisse puisqu'on va pas le remonter tout de suite si on a trouvé plus de dégâts que prévu. L'autre truc que je vous conseille aussi d'enlever, ce sont les disques de frein qui ne servent à rien à part empêcher la terre de sortir des jantes. Ça se remplit très vite, ça peut poser problème. Ensuite, effectivement, on ne peut pas sortir la cellule avant. Elle est prisonnière ici avec ce gros ergot dans la platine supérieure à l'U. On n'a donc pas d'autre choix que d'enlever toute la plaque à l'U. Démentiel. À la limite, on va voir une fois qu'on va enlever les vis à fur et à mesure, peut-être qu'on va pouvoir profiter du flex de cet aluminium qui n'est pas top qualité. Et que ça nous suffira pour sortir. Et ben non, tu peux t'asseoir dessus. Alors on va séparer les biellettes de direction aussi. Ce que j'avais fait par contre, c'est commander tout de suite la direction à l'U. Parce que j'avais dit que cette direction plastique avec la taille de ses roues aurait un souci.
Et je vois là, avec le choc, elle a effectivement souffert. Je vais vous montrer ça de plus près, vous allez voir. Trois packs. Ok. Un arbre, un bloc de béton. Vous avez vu le X-Max passer par là sans problème. On va quand même laisser le bénéfice du doute à la machine. Parfois, un millimètre à gauche ou à droite, ça change tout. Pas de commentaires, monsieur Burger et monsieur Diego. S'il vous plaît. Voilà. Donc, t'as pas le choix. Tu lèves tout ça si tu veux sortir ta cellule. Voilà. Niveau accessibilité, quand même, on est loin, loin, loin de ce qu'on peut avoir sur le UDR. De l'autre côté, l'accès sortie normale. Et là, pour atteindre le diff, ce n'est ni par en haut ni par en bas. Ils ont fait des carters latéraux gauche-droite, comme sur la Lozi R8. Cet engin vient donc du même fabricant chinois. Complètement égal si je vexe les fans de Lozi. Hein, c'est comme quand je fais des... voilà. Moi, j'aime toutes les marques. Chacune a ses défauts. Je ne suis pas plus fan d'une que de l'autre. Moi, je trouve ça très con quand certains deviennent adeptes carrément d'une marque et sortent les dents et ne voient pas la réalité. Comme Mobitech, par exemple. N'est-ce pas, mon cher Fabrice? Alors là, oui, j'ai enlevé le BTR, on ne sait pas pourquoi, puisque j'ai rien à faire là-dessus. En tout cas, c'est bien fixé avec... ça, c'est bien foutu, par contre. Là, je viens de voir un truc qui me plaît. C'est qu'au lieu de mettre juste un BTR, ils ont mis une goupille vissée, filetée. Et qu'en plus, avec toute la loctite dedans, ben, ça bouge plus. Ça, c'est cool. Alors, ce qu'on va devoir enlever, c'est les cadrans. Ouh, ça tient bien. Alors là, on va chauffer, c'est clair. Ouais. Ça, la vache qu'ils ont mis de la loctite rouge partout. Alors, on va pas faire le kicker, on va voir si on arrive à ouvrir la cellule avec le diff dedans. On a enlevé les vis là, on a enlevé les arrières, et à l'avant, non. Eh ben si. Il n'y a que trois vis qui tiennent à l'arrière au niveau du logement de roulement, et à l'avant, c'est uniquement le châssis qui maintient le diff ensemble. Et regardez ça, comme tout a explosé. Et malheureusement, si. Alors je vais voir si le roulement sort avec. Bouge pas. Voilà. Donc pignon d'attaque taille conséquente. On est bien. Donc cela n'aurait pas de soucis, puisque sur la Lozi R8, on a vraiment une super qualité de ces pièces. Et que nenni, on ne sortira pas l'axe par là, il est trop grand. Ça, c'est dommage. Donc le carter a éclaté, la qualité du plastique est pas terrible. Honnêtement, c'est vraiment pas top. D'enlever la plaque arrière. Tu vois, le plastique est vraiment très fin, très cassant. Ça, c'est pas génial. L'autre truc, c'est qu'il faut chauffer. Mais qu'on est face à du plastique pas top de l'autre côté. Ça. Ouais. Ça va être peut-être un peu ric-rac. Alors moi, je vais m'occuper de ça. À la limite, je vais vite te montrer comment ça marche, mais après avoir fait le reste. La direction a éclaté là. On a tout en morceaux. Alors d'un côté, on a des mini roulements axe de 3 pour une direction aussi grosse, n'importe quoi. Ouais, pour un engin aussi lourd. Et ici, voilà. Direction digne d'un 1.8, ça c'est la direction qu'il devrait avoir sur le Axial Yeti XL, qui lui a une direction de 1/10, et là ils ont mis la direction de 1/8 qui irait sur l'axe. Voilà. Je
Je vais la sortir pour te montrer. Voilà. Tu vois? Je suis pas le seul, hein. Moi j'ai pris un gros tilt, et il y en a qui ont pris moins de tilt que ça, et il y en a sur qui, chez certains, où ça a cassé juste à l'utilisation, la bague est beaucoup trop faible, on a un millimètre de plastique ou deux, et sur les efforts ici du sauve-cerveau, bah adios. Bon, sans le saler, parce que c'était déjà un point faible du super bajaret, et heureusement qu'elle existe en alu. Le cerveau de direction, le honteux cerveau de direction Spectrum. Regarde, je ne sais pas si tu vas le voir à la caméra comme il faut. On a déjà 2 mm de jeu, rien que sur le pignon de cerveau. Donc là aussi, on va s'imaginer qu'on est sur le terrain pour faire une inter. Donc tu vois, tu reçois la machine et que tu veux régler ta direction comme il faut. C'est déjà bon pour démonter tout ça alors que c'est un RTR. RTR pour moi, sorti du carton, ça doit marcher tout droit. Et on ne doit pas avoir besoin d'upgrader dans les 3 runs qui suivent. Que quelque chose lâche au bout d'un moment, ça peut arriver, on ne dit pas, il ne faut pas non plus exagérer. Voilà. Ce cerveau Spectrum est une grosse merde. On a des pignons en laiton ou en zinc qui cassent. Vous l'avez eu, même la version de ce cerveau. Il y a, sur la DBXL, il y a le cerveau plus gros qui a déjà le même problème. On pète les pignons sur les impacts. Alors à quoi ça sert d'avoir mis une méga corne en alu si c'est pour nous faire ça? On n'a pas de biellette réglable. Et tout est de travers. On a la taille des dents. Donc, sur le reste du châssis, on n'a rien à intervenir. On va le laisser comme ça de côté. On va ranger tout ça. Lui, il va partir à la benne. On va le remplacer par un E-Tech. Il y a plusieurs cerveaux qui vont, en fait. On a ici le E-Tech HS5765MH qui fait, je crois, 25 kg par là. On a une version GX d'un cerveau, une version Rowan. Rowan est tout simplement la version GX rebadgée. Par contre là on arrive dans les 35 kg, après normalement 25 kg suffisamment rapide devrait suffire. Donc là, comme tout a été monté à la Loctite bien comme il faut, nous allons chauffer. Alors là sur le terrain t'es foutu. Voilà, parce que moi perso sur le terrain je me promène pas avec de la glu. Si ça fuit dans la caisse à outils dans le machin, t'as beau la rendre dans un sachet, pour avoir fait l'expérience, je peux te dire c'est mort. Je ne me prône pas avec de la loctite non plus, puisque la loctite met des heures à sécher, ça sert à rien. Et là, tu vois, quand tu chauffes, regarde, le carter en prend plein la poire. Parce qu'il faut chauffer la tête du filetage, c'est là où est la loctite. Et le carter, tu vois, le plastique est déjà en train de fumer. Parce que c'est vraiment une qualité bof, hein. Ces heures là, voilà, tu fais évidemment gaffe sur quoi tu fais ça, hein, tu joues pas au kéké sur la table du salon. Il y a tellement de loctite que même quand le filetage est sorti, ça sort toujours pas. La qualité des cardans par contre est impressionnante. Je trouve ces cardans Losi absolument géniaux. Le plastique n'a pas bougé, je ne suis pas allé économiser exprès les coups de gâchette pour ne pas forcer dessus. Ça fonctionnait à merveille. Voilà comment changer le carter, et ma banzai je peux le bousiller, c'est pas un problème. De toute façon, je crois que tu n'as même pas le choix, tu vois. Si ça va, on arrive à le sortir. Et donc, le sortir sans réussir à endommager le carter, c'est chaud. Hein. Voilà, faites gaffe aussi, évidemment, une fois que vous avez chauffé au roulement.
Ce que je ne sais pas, c'est si on peut monter les cardans du super ocré là-dessus. Personnellement, je doute, puisque on a un angle totalement différent et beaucoup plus grand vers l'avant. Je pense que donc ces cardans ils étaient trop courts, bien que sur beaucoup de sites dans le descriptif, il y a écrit que c'est pour les deux modèles. Après, vous savez que j'aime les cardans télescopiques pour une histoire de débattement. Ici, on n'en profite pas, ça sert à rien. Par contre, c'est vrai que sur les chocs latéraux, alors un cardan télescopique évite de taper dans le diff. J'ai mon détecteur de fumée qui va se mettre en route tout à l'heure, toi. Ah, là, c'est Mimi Serrara. Là, on a la vis qui a tourné. Je vais donc aller à côté sur mon enclume. À l'aide d'un chasse et d'un marteau, ici, je vais refaire les coins. Je vais taper un bon coup dessus. Je vais donc mater les angles pour pouvoir refaire mon empreinte. Et ensuite, je vais enfoncer un outil de force à l'intérieur pour réussir à sortir mon carter. Puis je n'ai pas envie d'endommager mon cardan. Après, je peux découper le carter, c'est pas un problème puisqu'il est déjà foutu. À ce compte-là, pas besoin de s'emmerder. Mais il faudra quand même que je l'enlève pour réussir à passer mon nouveau carter. Donc, accessibilité du servo, c'est moyen. Moteur, c'est bon. Vario, c'est bon. Point arrière, pas de problème. Seul souci différent après, il faut le dire. Vous n'aurez pas en temps normal à intervenir sur ces diffs. C'est la même construction dans la Ozzy R8. C'est pas tout à fait les mêmes. On n'a pas tout de la même taille. Mais c'est vraiment des diffs hyper fiables. Donc je ne m'inquiète absolument pas de devoir accéder ou pas à ces trucs. Ça y est, livreur suivant. Je vous laisse. De toute façon, on a fini. Je vous dis à bientôt avec l'engin fini. Enfin, bientôt. Attendons les pièces, quoi. Halte cela, n'allez nulle part. On a découvert autre chose. Le châssis est déchiré. Ici, dans cet angle-là, on a une déchirure du châssis de part en part au niveau de la fixation de la vis. Donc le retordre, s'il avait juste été tordu, n'aurait pas été un grand problème. Là, évidemment, il déchirait. Ce qui fait que si on refait un impact, cette pièce est déjà fragilisée. De toute façon, déjà, quand on plie, on déplie de l'alu, on le fragilise. Mais là, je ne peux pas laisser ça parce que ça veut dire que au prochain impact, je vais carrément de nouveau à tout éclater sur ma caisse. Donc pour moi, grosse erreur de l'OSI d'avoir fait ce châssis extrêmement fin et d'une matière trop molle. Ce qui manque à cet engin, c'est définitivement un ski d'avant, comme l'a fait Traxxas avec les rainures dedans pour encaisser ce genre de choses. Puisque mine de rien, le choc n'était pas si violent que ça. On a tapé le bloc de béton de face, c'est sûr, mais 20, peut-être 30 km/h même pas. Tombé dans l'ornière, si je retrouve le morceau, je vais peut-être le rajouter là ou le mettre en ralenti sur la vidéo. Non, la vidéo est déjà sortie, donc ouais, faut le faire refaire. Ou alors, vous mettez tout seul le ralenti, vous mettez pause. Le X-Max a suivi, lui, il a juste une petite empreinte dans son bulkhead, rien de plus. Et aussi une grosse différence, puisque il y a absolument des gens qui veulent dézinguer Traxxas, qui n'aiment pas le X-Max, blabla plastique, gna 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 gna. Qu'est-ce que cet engin a en plus que le X-Max en alu? Et ben, platine supérieure et inférieure. Différence, maintenant, le coût de réparation, on va arriver à plus de 100 € pour un crash avant pas hyper méga violent. X-Max, on arrive à 35 €. Bulkhead inférieur, supérieur, carter de diff, peut-être une tourelle de suspension avant. En moyenne, on est à 35-45 € sur vraiment un gros, énorme crash à pleine balle avec le X-Max dans un arbre. Et encore souvent, il continue malgré les fissures. Le mien, que vous avez vu se planter dans un arbre aussi une bonne 40-50 km/h, une quarantaine-cinquantaine de km/h, a déjà le bulkhead avant fissuré et la tourelle arrachée. J'ai mis des rails en autour. Ça fait 6 mois que je roule avec ce carter et toutes ces pièces fissurées. Et ça tient toujours. Et vous avez vu sur la dernière vidéo, là, celle de. Bah, là, pour moi, ici, on est ce matin, forcément, c'est con. X-Max en bande de sanglier. Vous avez vu tout ce qu'il a mangé. Et à ce moment-là, il était déjà fissuré à l'avant. Et il tourne toujours. J'ai toujours pas changé mes pièces. Donc là, une centaine d'euros de réparation. Cette pièce aurait dû être beaucoup plus large ou plus épaisse ou avoir un patin supplémentaire ou un bulkhead pour la protéger. Et pourquoi pas. Admettre que un châssis en plastique ici, tout simplement, aurait fait meilleur travail. Voilà, c'est comme ça. Là, une
juste cette partie inférieure, cette coque en plastique avec des alvéoles, aurait flexé et n'aurait pas brisé. Là, ça a tout déchiré. La platine supérieure n'a pas bougé, la platine inférieure, oui. Et comme tout ça s'est déchiré, on a déchiré le bulkhead supérieur, le pare-choc avant, la direction. Enfin, moche, je trouve. Évidemment, après, c'est pas le genre de truc qu'on va faire subir souvent à l'engin. Le bloc béton, ça reste une rareté. On va aussi donner, je l'aurais dit, le bénéfice du doute, parce que des fois, un quart de poil, un millimètre à gauche ou à droite, ça change tout au niveau de la casse. Si j'avais tapé évidemment avec le pneu, on n'aurait rien eu, c'est le pneu qui aurait absorbé. Là, ça tapait plein triangle pour casser triangle. Et le bloc de béton, par contre, c'est très étrange parce qu'on n'a pas vraiment d'impact sur le châssis de ce bloc de béton. Alors, il a juste tapé le coin ici, ce qui expliquerait aussi pourquoi le pare-choc s'est déchiré à l'embase. Donc moi, je vais commander les pièces qui manquent. Je vais prendre mon petit quartier à lui au passage. Et ouais, on se reverra bien sûr en forêt. Et encore, j'espère, sur d'autres surfaces avec cet engin, puisque moi, définitivement, me plaît à conduire. Ça, c'est moche, mais une fois upgradé la direction, le servo de direction, le bulkhead, on fera, je le répète, une protection ici avec quelque chose de chez RPM. Je trouverai bien ce qu'il faut. Ou alors des plaques d'alu qu'on a reçues de nos tontons. On se fixera sur. Ici, on a un paquet de vis, on pourra se fixer dessus pour mettre quelque chose de vraiment plus mouse à l'avant. Et espérer que ceci ne se reproduise pas aussi vite. Évidemment, là, le fait de mettre la cellule ici, hein, le carter de diff en alu dedans, aidera aussi à éviter ce genre de choses. Ou alors ça va plier plus loin. On va exploser encore plus loin. On verra ça. Comme dit, moi je l'aime. De toute façon, il sera réparé à gogo jusqu'à ce qu'il ne casse plus. Salut.